contre l'État haïtien, sénature enquête là. Affaire si la qui implique Gina Jean Louis Rolls, Sikumbuzo Voudla, Alan Dorsey, Alert Isaac, Franz Kohl, Samson François, Lovni Louis Jean, Franklin Batista, Fernand Jean-Pierre, Rémi Lédor, Rubens Villemont, Jean Mardochéville, Jean-Marie Jean-Gilles, Mamion Saint-Germain, Fritz Désiré, Dianica et Cléberson Jules, ak lot individu encore. Nan date 15 juillet 2022, la police arrêté Gina Jean-Louis Rolls, qui se broke dame sa te gen pour recevoir conteneur yo. Nan audition, li déclaré la travail pour l'église épiscopale d'Haïti depuis plusieurs années. Et puis fait connait que c'est père Franz Kohl, secrétaire exécutif diocésain EE. Bricouri, nouvelle la Simaye. La justice américaine marée tant que crabe ancien président Donald Trump dans l'État New York pour question fraude. Mes amis, c'est un mélangé dans le pays États-Unis. En pile question à poser, est-ce que partisan Donald Trump a quitté sa base comme ça? Parce que nous connaissons ça, c'est un équipe qui violent, c'est un équipe qui parle, ouais, mouk attaque partisan yo. Yo l'autre bon dans le pays d'Haïti, dans le dossier pile d'âme chrétien, l'église épiscopale yo, bagala, prenons l'autre phase. Gayon nouveauté dans le dossier A, DCPJ joine l'autre monde qui implique dans le dossier ZAM sa yo, yo joine Akigou gang chrétien l'église épiscopale yo gen allié Akigou gang yo affilié pour ba aux armes avec balle. Dans troisième rapport ça DCPJ rend public là je fais connait dans réseau ça père Franz Kohl hier li gen tant millionnaire en dollars sans compter millionnaire en goutte. Mes amis causé en pile gen causé c'est bouche qui pas gagné pour parler causé ça yo n'a mandé prendre chaise ou chita tant comme ça nous pas faut attendre causé mais n'a mandé pour abonner à la chaîne là peser sous cloche notification pour les n'a une vidéo pour pas rater si proverbe créole là dit comme ça c'est les cabre la coller ou konn non tout bœuf yo moun qui lever grand moun qu'attendé proverbe créole ça les grand moun a plagué dans oreille ti moun. Mes amis, c'est un mélange dans le pays États-Unis. Bagala empiré, nouvelle la prend la rue, li simaye sous réseau. Ancien président Donald Trump, jodi a dans l'État New York, la police arrête monsieur. La police arrête elle, la justice te fait poursuivre Donald Trump parce que li te acheté silence, yon actrice porno qu'elle te gen rapport avec lui qui est Stormy Daniels en 2016. Avec l'agence ça Donald Trump te gagné pour te faire campagne pour élection li c'est l'agence ça li prend pour acheter silence actrice porno ça mes amis cause yo en pile nous connaît dans grand pays ça yo moun pa ka sou tête la loi ou te millionnaire ou te milliardaire ou te billionnaire ou pa ka acheter justice ou pa ka acheter la justice ça veut dire là c'est moun ka faire pays Haïti li même pas comprend pour cause ça la justice déclaré ancien président fait une fraude qui grave à cause de l'argent qu'on paye lui pour te acheter silence actrice pour nos sacrilèges Stormy Daniels. Journée mardi 4 avril 2023, Donald Trump te gen rendez-vous pour te parler devant tribunal dans New York pour te plaider. Quelques heures plus tard, Donald Trump passe dans tribunal là, tout bagage a déroulé normalement et puis tout. C'est là qu'on frère nous, quand travaille dans la voie de l'Amérique, lui arrive publié sous page VOA Creole là, lui dit Donald Trump plaide non coupable. Mes amis, si Donald Trump plaide non coupable, là, yo va arrêter Donald Trump parce que lui plaide non coupable. À la suite, Donald Trump pral prendre un coup, pas comprendre. C'est garder lui garder. La police débarqué, vient arrêter pour moment n'a pas parlé là. Donald Trump nommé la police, lui sous contrôle la police. Et selon recherche que moi fait, c'est premier ancien président américain dans l'histoire pays États-Unis qui joint arrestation li pour dossier criminel négatif pour dossier fraude que on mettait sous dol. Selon un professeur qui parlait, il fait connait Donald Trump risquait pour le passer 4 ans en prison et yo ka
disqualifier li nan prochain élection k'ap gen pou fè nan pays États-Unis. Si toutefois c'est toujours nan dossier prend l'argent campagne li pou k'acheter silence ak Crispin Noah, yo arrêté là, li risqué pou ka passer 4 ans nan prison. Pa bon la kay nou menm, nou pou ko fè pays. Nous pouvons prendre pour payer. Imaginez Donald Trump, un millionnaire, un milliardaire. La justice campe en face de lui pour arrêter. Nous-mêmes dans le pays d'Haïti, nous avons acheté la justice là. Nous avons acheté la justice dans le même commissaire gouvernement, dans le même justice là. Ça veut dire que nous-mêmes dans le pays d'Haïti, nous pouvons prendre dit tout pour nous faire payer. Si Donald Trump a arrivé à une arrestation en tant qu'ancien président, quoi me sauver là, grand pays ça, c'est. Tout le monde en bas la loi. C'est ça, ça son message clair, yo voyez, bay toute l'autre nation, tout le monde qui décide de faire pays. Pas bon la quand nous dans pays d'Haïti, dans dossier conteneur zame, l'église épiscopale DCPJ té sous dossier a, lui finalement metté yon troisième rapport d'yo sous dossier ça de ce pile zame l'église épiscopale té rentré dans douane nan mes amis cause yo en pile. C'est bouche qui va gagner pour parler cause ça yo. Dossier zam ça, femme zoubi là, geta gen pile moun ki joine arrestation yo la dan. Nan dossier zam chrétien l'église épiscopale yo mentionné Père Franz Kohl qui te kon utiliser franchise l'église là pour acheter zam avec balle pour entrer dans pays d'Haïti bay bandi yo. Mes amis, nous pas attendre ki jan la police t'a présenté troisième rapport. DCPJ mette de yon la, on tende, parce que par la di, tende à quoi c'est deux bagay différents. La fin tende, après ça map tourne, pour nous gaban nous plus de temps avec précision sous ça, ou prêt tende la. 14 juillet 2022, agent de lutte contre trafic stupéfiant BLTS, yon entité dans DCPJ, accompagné agent douane dans cadre yon fouille yon réalisé dans plusieurs conteneurs qui t'est arrivé dans Caribbean Port zone La Saline découvrir yon cargaison zam ak munitions qui rentrait sous couverture franchise l'église épiscopale d'Haïti. Yon fouille qui permet agent yon découvrir 18 fusils d'assaut AK-47 Galil M4, yon fusil calibre 12, 4 pistolets calibre 9 mm, plus passé 20 000 cartouches différents calibres, 120 chargeurs, yon viseur ak faux billets qui évalué à 50 000 $ américains. Tout de suite, Bureau Affaires Financières et Économiques BAF, yon structure dans des CPJ saisi dossier a, et puis commencer à mener enquête sous lui. Trafic d'armes et munitions, faux l'argent, contrebande, fraude et évasion fiscale, enrichissement illicite, blanchiment des avoirs, infraction grave, abus de confiance et association malfaiteur contre l'État haïtien, c'est nature enquête là. Affaire Sila qui impliquait Gina Jean Louis Rolls, Sikumbuzo Voudla, Alan Dorsey, Alert Isaac, Franz Kohl, Samson François, Lovni Louis Jean, Franklin Batista, Fernand Jean-Pierre, Rémi Lédor, Rubens Villemont, Jean Madocheville, Jean-Marie Jean-Gilles, Mamion Saint-Germain, Fritz Désiré, Dianica et Cléberson Jules ak lot individu encore. Nan date 15 juillet 2022, la police arrêté Gina Jean-Louis Rolls qui s'est broke. Dame sa a te gen pour recevoir conteneur yo. Nan audition, li déclaré la travail pour l'église épiscopale d'Haïti depuis plusieurs années. Et puis fait connait que c'est Père Franz Kohl, secrétaire exécutif diocésain EEH là qui t'a contacté. Après elle t'a fin boudé plusieurs invitations baf, Père Franz Kohl alias Fanfan joint arrestation 17 août 2022 pendant il t'a vinn répondre fois ça question enquêteur yo. Alors que Jean-Gilles Jean-Marie qui c'est comptable l'église épiscopale d'Haïti t'a pral joint arrestation le 22 août. Comptable là, t'a signé plusieurs documents sortis 2017 privé 2021 pour autoriser décaissement l'argent sorti sous compte l'église là pour joindre un trafiquant d'armes international qui relait Sikumbuzo Voudla, un Zimbabwéen qui est chef opération l'église épiscopale.
Enquête Bafla révélé gain plusieurs transactions qui fait chaque mois sous compte bancaire africain trafiqué international ça. Chaque dépôt qui fait gain un montant pour plus petit $30,000. Une série transaction EEH pas qu'à justifier dans qui objectif comme ça aller joindre vous là. Samedi 21 janvier 2023, dans cadre d'une opération, la police rivée mettait en barcode suite à un avis de recherche Rubens Villemont pour implication présumée dans dossier ça. Individu ça, t'es parmi moun qui te gain pour recevoir un conteneur zam et c'est Fernand Jean-Pierre qui t'a voyé sous nom Rubens. Enquêteur Bafio cap travail, la journée coule en nuit, rive permettre la police mette en bas code Kléber Jules ak Dianika Jules, deux cousins ak cousine sa yo, c'est principal moun qui responsable pour faire transaction bancaire pour Zimbabwean si Kumbuzo Voudla. Fok nou dit tout, si Kumbuzo Voudla te révoqué depuis 2018, nan audition responsable l'église épiscopale yo déclaré à clair que l'église n'a pas gen anken relation ak trafiquant zam africain. Et pourtant, nan perquisition qui était faite dans zone côté malfrasa tal caché, enquêteur te découvri plusieurs documents franchise douanière, papier vierge qui gen en tête l'église là, sans compter machine que africain a utilisé pour circuler qui enregistré sous nom l'église épiscopale d'Haïti. Pour ça qui gen awe avec Père Franz Kol, secrétaire exécutif diocèse de l'église épiscopale d'Haïti, enquête Bafla montré à clair degré implication li nan utiliser franchise douane l'église là pour faire zama katouche rentrer illégal sous territoire pays d'Haïti. D'après rapport enquête Bafla, Père Franz Kol gen plusieurs comptes bancaires Haïti ou à l'étranger, parmi yo yon gon gros somme l'argent américain, sans compter l'autre bien li possédé tant que plusieurs cailles. Yon l'autre bon, gen évidence qui prouvait Père a recevoir yon chèque chaque mois environ 300 000 goudes qui sortit dans Palma haïtien. Rapport enquête là allait plus loin pour confirmer que ça gagne plusieurs années depuis responsable dans l'église épiscopale d'Haïti a utilisé couloir institution pour faire trafic zam. Pour faciliter marchandises yo rentré, présumé complice utiliser divers ports commerciaux dans pays ya. Parmi l'autre, Lagonave, Port-au-Prince, ça dépend destination cargaison. En pile fois, conteneur zam sa yo est stocké dans l'école dans capitale là pendant la journée avant yo transporter yo dans mitan la nuit dans zone Kafou Marassa dans commune Croix des Bouquets. Rapport Bafla révélé tout, réseau trafiquant zam l'église épiscopale là, gen connexion avec certains gangs qui opèrent dans capitale là, tant qu'au village de Dieu, Torsel et La Trier. Pour prouver information ça, après arrestation Père Franz Kol, yon avocat qui te commencé faire des marches pour Père, c'était tout avocat chef gang crasé barrière à vite l'homme innocent. Mettez sous ça l'OVNI Louis Jean qui impliqué dans dossier a habité dans fief chef gang vite l'homme innocent. On continue engager nous la bataille. Bataille contre sécurité. Bataille chaque jour contre bandit. Toute qualité bandit. Comme je dis, bandit avec sapat, c'est pour bandit avec cravate. Nous avons besoin de peur. Depuis que nous mettons la loi avec nous, règlement institution avec nous, pas de capitaux. Quel que soit ça qui passe, son bagage éphémère, mais victoire. C'est pour la police, là, c'est pour la loi, c'est pour le règlement institution. N'a noté ce troisième rapport enquête BAF produit sur dossier cargaison ZAM, l'église épiscopale d'Haïti. Déjà gagné une dizaine de monde la police arrêté, sans compter divers mandats internationaux qui lancé. Force Radio continue à chercher plusieurs lots, tant que Père Fritz Désiré et Père Jean Madocheville. Quant à Zimbabwean, si Kumbuzo Voudla, trafiquant international ça, DCPJ à travers BAF a cherché l'issue tout dans le grand sud pays, Grand-Anse, Nip, Sud et Sud-Est. Nous entendons qui s'est pas allé, l'église là qui était là, qui t'a doué là, pour qu'elle sauve un homme, pour Christ là, mais plutôt, c'est des tuyaux dessus la vie nous. En bas coup de balle. Il n'y a pas acheté zam, il n'y a pas acheté balle, vous voyez, m'a dit, pour qu'à péter tête nous en bas coup de balle. Mes amis, l'église qu'on y a, maintenant qui s'est tombé, l'église qui l'a, pour qu'à sauver un homme, pour Christ là, qu'on y a là, il est tombé dans le trafic zam. Acheté balle, acheté zam, vous voyez, m'a dit, DCPJ fait qu'on est, à qui groupe gang, l'église épiscopale, qui est lié. C'est groupe gang, village de Dieu, avec chef gang vite l'homme base crasé barrière. C'est ça DCPJ joine dans réseau ça l'église épiscopale liée et puis enquêter DCPJ fait connait. Il révélé
chaque mois, il y a 30 000 dollars qui sortent sous compte l'église épiscopale qui a joué un trafiquant ZAM. Zimbabwe. Nous comptons non ça. Zimbabwe. 30 000 dollars qui sont sur compte l'église épiscopale là qui a joué Zimbabwe ça. Misere le Vunda Chikum Bouzo. Nous comptons qui non ça au foke. On va répéter le deux fois pour pas faire erreur. Nous connaissons le Xayo, ceux qui écrit ça, nous ça nous pas habiter avec eux parce que même c'est français avec créole nous parler et puis tout nous t'inquiète en anglais nous va seul deux fois pour ne pas faire faute parce que nous connaissons à travers TikTok là les de tout bail viral de font faute yo tout prend yo tout posto yo font faire hit mes amis ça pire là yo joine plus passé yo million de dollars avec ton coupier pour avoir sous compte banque Père France Call. Ça veut dire là Père France Call millionnaire en dollars américains. C'est ça, yo jwenn yon million de dollars avec ton coupier pour avoir sous yon nan compte en banque Père France Call là. Sans compter l'autre compte en banque li gen yo. En plus, DCBJ fait qu'on est Père France Call tap touché 300 000 goud chaque mois nan parlement haïtien. A qui titre, a qui intérêt, m'da me konne pour qui ça Père France Call tap touché 300 000 goud ça. Nan parlement haïtien ou même qui connaît qui te commenter pour moi parce que moun pa jam trois grand moun pour apprendre faut que di nous bien gen yon dizaine moun qui gete jwenn arrestation yo nan dossier zam l'église épiscopale yo les amis dossier grave bagala empiré l'église kounya tombe nan van zam voye zam bay bandi gade a ki gou gang il a fait allié avec Izo village de Dieu avec vite l'homme nan ton sel. Mes amis, tête de quatre secondes qui sorti sur carnet bank, l'église épiscopale qui a joué nos trafiquants zam, zimbabwéen. Mes amis, kounya la, est-ce que l'église épiscopale qui intérêt yo nan les kidnapping nan fait nan pays d'Haïti? Combien l'église kap distribuer zam, kap utiliser franchise yo pour ka entrer zam pour bandi nan pays d'Haïti? C'est question qu'on a posé. Mais qui ça l'église tombé là aujourd'hui à là dans le 21e siècle? Depuis qu'il est l'église épiscopale d'Haïti a trafiqué zam dans pays d'Haïti. Il t'a ramé comme bagaille ça parce que bon parole qui dit comme ça, je fais la tomber dans de l'eau, c'est pas juste ça, fait la pourri pour le couler. C'est pas là fait la couler à et pas juste elle est tombée. Ça veut dire là ou que pour elle l'église épiscopale a frappé depuis longtemps. C'est kounya la yo arrivé kembe l'église épiscopale dans l'année 2021. Mes amis, cause yon pile, bagala grave pour Père France Call. On nèg la pran l'ostri, yon nèg ka pété passé peuple là, n'te ka di fidèle là, fidèle yo nan tété chaque matin, vinn faire messe, ba moun l'ostri. Nan me konnen pou sa bagay sa pa pété fiel yo. Est-ce que bagay sa pa sacré? Nan me konnen se bagay pa sacré. Père sa yo ou content de au père yo pa gen madame pè sa yo même yo update yo gen madame pè sa kounya monsieur son chef gang c'est monsieur ka utiliser franchise l'église là pour ka entrer zam Albert monsieur nan ghetto là pour ti monsieur sa yo kidnapper peuple haïtien pour ka péter tête haïtien avec coup de balle. Oh mes amis, qui l'est Jésus a dit un mot, qui l'est bagay sa fini pour un père li utilise franchise l'église bon Dieu pour ka passer zam, pour ka entrer zam dans pays d'Haïti, pour ka bay iso avec vite l'homme. Mes amis, cause en pile, si n'ta pas parler nous pas fini, mais n'a mande pour abonner avec channel là, peser sur notification pour les nagon vidéo pour pas rater. Les gars moi malé, rendez-vous dans prochaine émission pour ka venir traiter un autre dossier. Quelques semaines pour pas dire quelques mois. Nous avons des accusations qui te gagnent à l'égard de justement l'église épiscopale. Eh bien, oui, c'est sûr, certain là, gen moun qui t'a dit, gen sèk de fidèles, l'église épiscopale qui t'a dit, c'est pas vrai, l'église épiscopale pas non, vieille affaire vraiment. Mesdames, messieurs, eh bien, rapport de CPJ a sorti là, confirmé,
li confirmer rapport justement eh bien l'église épiscopale pour pas dire qu'il y a bail arme munition ak iso et également vite l'homme. Évidemment, nous parlons plus de détails comment ça l'église épiscopale mesdames messieurs eh bien qui nan dossier ça. Nous parlons plus de détails ça côté grand pile en pile l'autre actualité, mais avant ça permettre que nous saluer Pradel depuis Saint-Marc. Et Pradel n'a pas salué frère pensant toucher justement l'église épiscopale justement mesdames et messieurs de façon officielle. Eh bien rapport de CPJ a sorti, c'est pas un petit bagage qui petit. Et puis moi j'ai plusieurs autres monde qui dit nous oui, il ne parle de l'église épiscopale, faut nous pas oublier madame Laline et toute accusation qui a été faite légalement, c'est vrai. Et oui, on nous touche ça et frère Pam. Oui, nous parler directement et bien au niveau de rapport ça qui est même après la pluie et le beau temps. Eh bien, au niveau de l'actualité, eh bien, nous connaissons comment le dossier ça lui-même. Eh bien, Abdoukine, eh bien, selon le rapport, eh bien, BAF, DCPJ, Église épiscopale d'Haïti, lui-même, bon, étroite collaboration avec bonne armée de village de Dieu et Torcel. Et responsable, franchise douanière, ça, pour capable faire rentrer illégalement des armes et munitions sur le territoire haïtien. Et bien sûr, pour capable alimenter le groupe gagnant, et bien, et le groupe fait rapport et BAFLA, et bien, Père Franz Kohl, qui est secrétaire exécutif diocésain, l'église épiscopale d'Haïti, et bien, qui possède plusieurs carnets bancaires en Haïti, qui est un groupe étranger, ensemble avec montant exagéré, en plus l'argent. Et puis, ça fait les blancs, je sais que chaque mois, on chèque de 300 000 billes de qui sont dans le Parlement à hier, avec bien des conditions. Et nous avons des conditions tellement raides, et bien, au niveau de sénateurs, députés, conducteurs seulement haïtiens, et bien, il y a tellement dans les conditions, conducteurs, même au niveau de l'église, dit que, monsieur, si que vous avez arrivé à faire ça, là, monsieur, monsieur, ça, c'est appauvri et pays directement, et bien, la pays, et bien, ça, monsieur, les parlementaires corrompus, et bien, c'est un honte, et bien, pour la nation, et bien, c'est un pire citoyen qui, même qui tape et réagit, et bien sûr, et ça, c'est lui-même qui s'assure. Il est parti là, côté que les années, ça sont repliées. Et bien, au niveau du Parlement, côté que Pécole, c'est lui-même, il a pas touché, et bien, 300 000 gouttes, et bien, chaque mois. Et bien, la police nationale informait que les armes et des munitions importées dans le pays par l'église épiscopale, ils ont souvent livré ensemble avec Don Iso, et puis vite l'homme et les pères Franz Kohl qui impliquaient dans le dossier ça, qui devaient se voir par ailleurs, environ 300 000 gouttes, et bien, par mois. Au niveau du Parlement haïtien. On a regardé aussi des vidéos que la police lui-même lui fait sortir, et bien dans le même cadre, il y a dossier ça, dossier et Pécols qui lui-même qui a touché, et puis Pécols lui-même en corruption, et Père lui-même au niveau de l'église, et bien les amis qui sont en corruption, et bien sur le rapport et BAF de CPJ, l'église épiscopale d'Haïti au bon étroite collaboration avec bonne armée village de Dieu et puis Torcel, et bien la boucle, l'église a lui-même utilisé franchise douanière pour capable faire rentrer illégalement ZAM avec munitions sous territoire pays d'Haïti, et bien c'est pour capable alimenter le gang. On a regardé et comment que la police même a défendu et vidéo sortie pour nous-mêmes nous capables d'essayer et garder pour nous voir. Et bien, comment ça lui est au niveau de la sécurité arrivée et saisie en pile munition. On a regardé. Voilà, et n'a pas vite, regardez la vidéo, ça, mesdames, monsieur, n'a pas compris davantage. Et justement, là, ce n'est pas simplement accusation, non, c'est confirmation, mesdames, monsieur. Donc, évidemment, là, n'a pas dit DCPJ fait travail, parce que nous allons regarder la vidéo, ça, n'a pas compris davantage. Non, Mathieu. En juillet 2022, agent de lutte contre trafic stupéfiant BLTS, yon entité dans des CPJ, accompagné agent douane dans le cadre d'une fouille réalisée dans plusieurs conteneurs qui étaient arrivés dans le Caribéen Port, zone La Saline, découvrit une cargaison Zamak munitions qui rentrait sous couverture franchise l'église épiscopale d'Haïti. Une fouille qui permet à agent de découvrir 18 fusils d'assaut AK-47, Galil M4, un fusil calibre 12, 4 pistolets calibre 9 mm, plus passer 20 000 cartouches différents calibres, 120 chargeurs, un viseur et faux billets qui est évalué à $50,000. Tout de suite, Bureau Affaires Financières et Économiques BAF, yon structure dans des CPJ saisi dossier A et puis commencer à mener enquête sous lui. Trafic d'armes et munitions, faux l'argent, contrebande, fraude et évasion fiscale,
enrichissement illicite, blanchiment des avoirs, infraction grave, abus confiance ak association malfaiteur contre l'État haïtien, sénatu enquête là. Affaire si la qui impliquait Gina Jean Louis Rolls, Sikumbuzo Voudla, Alan Dorsey, Alerte Isaac, Franz Cole, Samson François, Lovni Louis Jean, Franklin Batista, Fernand Jean-Pierre, Rémi Lédor, Rubens Villemont, Jean Mardochéville, Jean-Marie Jean-Gilles, Mamion Saint-Germain, Fritz Désiré, Dianica et Cléberson Jules, ak lot individu encore. Nan date 15 juillet 2022, la police arrêté Gina Jean-Louis Rolls, qui s'est broke. Dame sa a te gen pour recevoir conteneur yo. Nan audition, li déclaré la travail pour l'église épiscopale d'Haïti depuis plusieurs années. Et puis fait connait que c'est Père Franz Cole, secrétaire exécutif diocésain EEH là, qui t'a contacté. Après elle t'a fin boudé plusieurs invitations baf, Père Franz Cole alias Fanfan, jeune arrestation 17 août 2022. Pendant l'été vin répondre fois ça question enquêteur yo. Alors que Jean-Gilles Jean-Marie qui c'est comptable l'église épiscopale d'Haïti, t'a pris jeune arrestation du 22 août. Comptable là, t'es signé plusieurs documents sortis 2017 privé 2021 pour autoriser décaissement l'argent sorti sous compte l'église là pour adjoindre un trafiquant d'armes international qui est le Sikumbuzo Voudla, un Zimbabwéen qui est chef opération l'église épiscopale. Enquête Bafla révélé, il y a plusieurs transactions qui fait chaque mois sous compte bancaire africain trafiquant international ça. Chaque dépôt qui fait, il y a un montant pour plus petit $30,000. Une série de transactions, EEH pas qu'à justifier, n'a qui objectif comme ça à les jeunes Voudla. Samedi 21 janvier 2023, dans le cadre d'une opération, la police rivée mettait en barcode suite à un avis de recherche Rubens Villemont pour implication présumée dans le dossier ça. Individu ça, t'es parmi moun qui t'es gué pour recevoir un conteneur zam, et c'est Fernand Jean-Pierre qui t'a voyé sous nom Rubens. Enquêteur Bafio cap travail, la journée coulant nuit, rivé permettre la police mettait en bas code, Kléber Jules ak Dianica Jules, deux cousins ak cousine Sayo, c'est principal moun qui responsable pour faire transaction bancaire pour Zimbabwean, Sikumbuzo Voudla. Faut que nous dit tout, Sikumbuzo Voudla t'est révoqué depuis 2018, dans audition responsable l'église épiscopale yo. Yo déclaré à clair que l'église n'a pas gagné aucune relation avec trafiquants d'armes africains. Et pourtant, dans la perquisition qui était faite dans la zone côté malfrats, ça a été caché. Enquêteurs ont découvert plusieurs documents franchises douanières, papiers vierges qui gagnent en tête l'église là, sans compter machines que africains a utilisé pour circuler qui enregistré sous nom l'église épiscopale d'Haïti. Pour ça qui gagne ouais avec Père Franz Cole, secrétaire exécutif diocésain l'église épiscopale d'Haïti, enquête Bafla montré à clair degré implication li nan utiliser franchise douane l'église là pour faire zama katouche rentrer illégal sur territoire pays d'Haïti. D'après rapport enquête Bafla, Père Franz Cole gen plusieurs comptes bancaires Haïti ou à l'étranger, parmi yo yon gon gros somme l'argent américain, sans compter l'autre bien li possédé tant que plusieurs cailles. Yon l'autre bon gen évidence qui prouvait Père a recevoir yon chèque chaque mois environ 300 000 goudes qui sortit dans Palma haïtien. Rapport enquête là allait plus loin pour confirmer que ça gagne plusieurs années depuis responsable dans l'église épiscopale d'Haïti a utilisé couloir institution pour faire trafic d'armes. Pour faciliter marchandises rentrées, présumé complice, utiliser divers ports commerciaux dans le pays. Parmi l'autre, Lagonave, Port-au-Prince, ça dépend destination cargaison. En pile fois, conteneur zam sa yo est stocké dans l'école dans la capitale là pendant la journée avant de transporter yo dans mi-temps la nuit dans zone Kafou Marassa dans commune Kwa des Bouquets. Rapport Bafla révélé tout, réseau trafiquant zam l'église épiscopale là, des connexions avec certains gangs qui opéré dans la capitale là, tant qu'au village de Dieu, Torsel et La Trier. Pour prouver information ça, après arrestation Père Franz Cole, yon avocat qui te commencé faire des marches pour Père, c'était tout avocat chef gang crasé barrière, invité l'homme innocent. Mettez sous ça, l'OVNI Louis Jean qui impliqué dans dossier a, habité dans fief, chef gang, invité l'homme innocent. On continue à engager nous la bataille. Bataille contre la sécurité. Bataille chaque jour contre bandit. Toute qualité bandit. Comme je vous dis, bandit avec sa patte, c'est pour bandit avec la patte. Nous n'avons pas besoin de peur. Depuis que nous mettons la loi
avec nous. Règlement institution avec nous. Pas de capote. Quel que soit ça qui passe, son bagage qui est éphémère, mais victoire. C'est pour la police, c'est pour la loi, c'est pour le règlement institution. N'a noté ce troisième rapport enquête BAF produit sur le dossier cargaison ZAM, l'église épiscopale d'Haïti. Déjà gagné une dizaine de monde la police arrêtée, sans compter divers mandats internationaux qui lançaient. Force Radio continue à chercher plusieurs autres, tant que Père Fritz Désiré et Père Jean Madocheville. Quant à Zimbabwean, Sikumbuzo Vudla, trafiquant international ça, DCPJ à travers BAF a cherché l'issue tout dans le grand sud pays, Grand-Anse, NIP, Sud et Sud-Est. Sincèrement, Pradel, et je pense que nous devons féliciter DCPJ, mesdames et messieurs. Dans le dossier ça, au moins nous avons dit sauver, mais DCPJ font bel coup là. Son bel coup qui fait dans le dossier justement l'église épiscopale là, mesdames et messieurs. Et puis là, nous attendons, et bien, Africain ça lui-même, parce que nous toujours dit, nous attendons des confrères qui t'ont dit que nous souvent nous avons des Africains, nous avons des Jamaïcains, pour ne pas dire des Dominicains. Là, on entre en Haïti, ils ont même gens avec nous. Là, on s'en regarde à penser que c'est Haïtien, pourtant ce n'est pas Haïtien, mesdames et messieurs. C'est là où prononcer, c'est là où parler, ou après que ce n'est pas Haïtien, oui, dans l'accent. Et bien là, dans le cas ça, nous félicitons DCPJ. DCPJ mérite tout bon que nous félicitons. Mais simplement, dans le cas africain, ça, je pense qu'il faut que tu mettes un mandat international via Interpol. Bien que nous connaissons Haïti, oui, autant de mesdames et messieurs, vous dites que vous avez une plus possibilité pour que l'on dans le pays. Vous parlez de la Gonave et ainsi de suite. Donc, c'est son bagage qui est très sérieux. Ça veut dire tout gros bandit, tout bandit, ou pas même mis à le cacher dans l'autre pays, en Haïti encore. C'est meilleur côté ou en sécurité. La preuve, nous avons Badjo, nous avons équipe l'autre bandit là. Sans côté l'autre prêtre qui a cherché là. Mais quand même, Pradel, bravo. Et puis, sincèrement, yo parle de Vitelom, yo parle de Iso, yo parle yo mais faut qu'on pas oublier toute l'autre yo pas cité non yo parce que si n'a cité c'est bon cité tout non nous pas arrêter simplement dans Vitelom, simplement dans Iso et nous connaît monsieur Genefio, nous connaît monsieur Eville et Tilaplio pour pas dire base 400 Marozo, c'est yo tout. Donc Pradel son bagage qui sérieux qu'on y a là mesdames messieurs. N'a regarder influence et l'église épiscopale gain qu'on y a là. On prend simplement prendre monde ça on met en prison. Ou pouvez simplement mettre au nom.